Donc, je vais vous faire voir une petite variante avec, pour pouvoir faire un mouflage, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un cric. Là sur le marché, Teufelsburger a sorti le multi-tool. Donc le multi-tool, donc il y a plein d'accessoires qui vous permet de poser des ancrages dans les arbres. Et le multi-tool, on peut très bien l'utiliser comme ceci. Donc pour pouvoir faire un mouflage, vous allez passer votre anneau là et vous allez réaliser un black nut à 5 tours. Donc 5 tours, je vais faire mes 5 tours. Ça sera certainement moins onéreux. Et encore 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 6. Bon, j'ai assez long, je m'en fiche. Bon, là j'ai fait 6 tours, mais 5 pour au moins faire 5. Sachant que le diamètre du multi-tool est supérieur à la skier 2.0 yellow. Donc voilà, j'ai fait mon black. Du coup, voilà, ça fait un peu comme le cric, sauf que là on est complètement sur du textile. Donc on le fait monter, on le fait descendre comme on veut. Et ensuite, là-dessus, juste à côté de l'anneau, j'ai une variante aussi pour utiliser l'anneau, mais ça je pourrais le faire voir. Donc je pousse le multi-tool à une longueur souhaitée, donc je viens bien le serrer pour qu'il reste bien tanqué. Et ensuite je prends, je sais pas si on voit bien, hop, sous mon système, comme avec le cric sur l'autre version, sur la version la plus sécurisée, et je viens passer dans mon connecteur tout doucement. À partir de ce moment là si je veux pousser, je le repousse, voilà, je l'éloigne. Ensuite je vais récupérer un connecteur. Là, ce connecteur là, je vais le positionner sur mon harnais. Par exemple, je vais me mettre sur l'anneau de la triangulation du harnais. Je viens clipper le brin tombant et ensuite j'aurai plus qu'à faire mon déplacement. Tac, je fais mon déplacement et dès que je veux revenir en SRT, voilà, ça fait un mouflage. Donc moins mécanisé, certes, il y a du textile. De la même manière, si je veux rapprocher, le mouflage, je le rapproche. Si je veux l'éloigner, je mets un peu de mou, bien évidemment, je l'éloigne, je le retanque, et puis voilà. 6 tours, 5 tours minimum, 6 tours, pour vraiment que le multi-tool épouse bien la corde de diamètre inférieur. Sachant que le multi-tool, il a, ses fibres sont vraiment, elles écrasent bien les cordes. Et j'ai trouvé ça sympathique, ça vient bien prendre en charge. Donc il y a très peu de glissement en fait. Donc voilà. Et ce produit-là, il est normé 795B aussi, le multi-tool. Contrairement au cric, ouais, il n'est pas normé ancrage. Et là, on pourrait l'utiliser en ancrage. Donc ça, je voulais vous faire voir ça vite fait là dans cette petite vidéo. C'est la petite vidéo bonus. Donc là, je vais vous faire voir l'autre version avec le multi-tool de Teufelsburger. Là, j'ai fait un black nut, on est d'accord, 6 tours, c'est ce que on a réalisé. Toc, je le serre bien. Voilà, donc il est mis en place. Ce qu'on va faire ensuite,
un petit longeage pour se stabiliser pour la mise en place. Tac, un petit longeage. Histoire de stabiliser l'opérateur. Ensuite, à partir de ce moment-là, on va mettre du mou sur le système. Tac. Ce mou-là, on va faire une petite vague, un peu comme la méthode avec le cric. Je fais une boucle. Cette boucle, je la passe dans l'anneau du multi-tool, voilà, comme ceci. Je prends le mou nécessaire pour faire revenir cette boucle le plus proche de mon baudrier. Donc là, pour bien vous faire voir, je passe mon connecteur pli comme ceci, voilà. Et je le ramène sur mon baudrier et je le fais en étant sécurisé. Donc là, on avait dit le mieux pour moi, c'est de me mettre dans un des anneaux de la triangulation. Donc je vais saisir, je vais ramener, mettre du mou, je rajoute du mou sur le système pour pouvoir ramener au max mon connecteur qui va venir prendre l'anneau de la triangulation. Donc là, je peux me délonger de toute manière, je suis bon. Donc voilà, je l'ai mis là, mon anneau. Ensuite, je mets en tension mon système. Et puis voilà. Là, j'ai créé un système de mouflage avec le multi-tool de chez Teufelberger. Donc voilà. Alors, un peu comme avec le cric sur cette méthode, c'est qu'on a toujours la corde à proximité de l'autre corde. Du coup, au déplacement, quand on voit, il peut y avoir de la friction. Voilà. Là, on voit un peu de friction. Donc une autre chose aussi avec le multi-tool, cette forme là elle est moins fluide qu'avec le cric, pour la bonne et simple raison qu'on est directement sur un anneau. Voilà, voilà. C'est une petite bidouille que je voulais vous faire voir, parce que dernièrement, là, je me suis acheté pas mal d'accessoires de chez Teufel, Mutil Tool, j'ai plein d'accessoires. Donc petit à petit, je vais les tester, et dès que j'aurai des choses à vous montrer, bah, je vous les montrerai. Voilà, c'est une option par rapport au dispositif du cric. Voilà, si vous n'avez pas le cric, en tout cas, vous pouvez avoir un simple multi-tool. Celui-ci, je crois que les longueurs, il n'y a que des... celui-là, il fait 1 mètre, voilà. Donc, ouais, j'aime bien la texture du multi-tool parce qu'il vient bien écraser les cordes. Donc ça glisse moins comme ça. Voilà, voilà. Bah, ça, c'est la petite bidouille que j'ai souhaité vous faire voir. Voilà. Comme je vous expliquais, si vous mettez du mou, vous pouvez parfaitement bien renvoyer, rapprocher et repousser votre système multi-tool. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez le repousser avant votre déplacement, vous pouvez le faire autant que vous pouvez le ramener sur vous. Voilà, voilà ce que je voulais aussi vous dire. Voilà le système de mouflage. Voilà, allez. Bah, peut-être que dans cette vidéo là, je ferai vraiment un spot bien défini par rapport au multi-tool. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à rejoindre ma chaîne. J'ai encore plein de choses à vous faire voir, vous pouvez pas imaginer. C'est plus le manque de temps que j'ai que l'envie. En fin de compte, l'envie, je l'ai, mais après, c'est le temps de pouvoir prendre les spots, me concentrer. Je suis quand même pas mal pris par rapport à mes activités sportives aussi. Donc
Voilà, j'essaye d'être partout et puis partager des plaisirs dans tous les domaines, que ce soit dans les arts, dans le sport, puis les relations humaines aussi, aimer les gens. Voilà, allez, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut, ciao, ciao.